How are you? Take your time, take your time. Here's how I wrote this great book, Underworld USA. Voilà comment j'ai écrit ce livre. Ce grand livre, Underworld USA. Published by Rivage. Dont l'éditeur est Rivage. I hired a researcher who put together a stack of notes so that I would not write myself into historical errors. Donc j'ai engagé une personne qui a fait pour moi la recherche, une recherche historique, et qui a empilé quantité de feuilles de notes de façon à ce que je ne commette pas d'erreur par rapport à l'histoire. Then I wrote 200 pages of notes on the real life characters, the fictional characters, the plot, the politics, the overall history, the milieu, the individual mise en scène. Donc ensuite, j'ai écrit 200 pages de notes sur l'intrigue, les personnages, l'époque historique, et j'en ai oublié quelques-uns. Then I wrote a 400-page outline. Puis un plan de 400 pages. That detailed the story down to the crosses on the T's and the dots on the I's. Un plan extrêmement détaillé qui rentre dans tous les détails donc de l'histoire à la lettre près. Having a superstructure that big, that dramatically inviolate. Et étant donné que je travaillais à partir donc de cette superstructure aussi énorme et où tout le travail restait à faire, allowed me to live immediately and improvisationally within the individual scenes. Ceci m'a permis d'entrer de façon directe à l'intérieur des scènes individuelles. Don Crutchfield is a real man, a friend of mine. I paid him to be in the book. Don Crutchfield est un homme qui existe dans la vie réelle. C'est un de mes amis. Je l'ai payé pour qu'il accepte de figurer dans ce livre. The other characters, Tedrow and Holly, are entirely fictional creations. Les deux autres personnages principaux, Tedrow et Holly, sont des personnages tout à fait fictifs. Everything comes back to the 400-page outline. I know every place the story will go before I begin the writing of the text. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où j'ai fait mon plan de 400 pages, je sais exactement comment l'histoire va bouger. Donc, je suis simplement ce plan que je me suis fixé. The man is talking about the armored car heist that begins the book in February 1964. Donc il s'agit donc là de la scène qui fait référence au braquage à la voiture blindée qui commence donc qui débute le récit. There can only be one armored car heist per book. Ah, je ne peux avoir qu'une attaque au fourgon blindé par ouvrage. Anything else would delete the thrill. Sinon, on dilue les frissons, enfin l'excitation, l'intérêt plutôt. I don't read, I don't go to movies, I don't have a cell phone, I don't have a computer, I don't read newspapers. I live in isolation. I insulate myself from the world. Je ne lis pas le journal, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de téléphone portable, je m'isole totalement du monde qui m'entoure. Je vis dans une espèce de total isolement. I find the world overstimulating. Je trouve que le monde qui nous entoure est beaucoup trop stimulant. And I enjoy living exclusively in the periods that I write about. And so I deny, with a few exceptions, the existence of the world as it is today.
It holds no interest for me. Ceci me permet de plonger de façon totale et exclusive dans l'époque que je raconte. Et à partir de cette position-là, le monde qui m'entoure est un monde dont j'irai même jusqu'à nier l'existence, en tout cas qui ne m'intéresse absolument pas. I write motion pictures that don't get made for money. J'écris les scénarios de films qu'on ne réalise pas. Ça me rapporte quand même de l'argent. Et si on les réalise, si on... Several other people write behind me after I do. Il y a bien sûr plusieurs personnes qui écrivent après moi. And it gets all fucked up. Et le résultat est lamentable. It pays my taxes. And my alimony. Mais bon, ça me permet de payer mes impôts et ma pension alimentaire, merci. I like short, direct sentences. I like a perfect ordering of words. J'aime bien les phrases courtes, directes, avec des mots parfaitement ordonnés. I believe that every sentence and paragraph should further the plot. Je pense que chaque phrase, chaque paragraphe doit permettre à l'intrigue d'avancer. Deep in characterization. Doit permettre également à la construction des personnages de s'approfondir. And be full of details that are entertaining in and of themselves. Et également être pleine, chaque phrase doit donner des détails qui sont divertissants et qui permettent au lecteur de s'amuser. I am blessed with extreme single-mindedness. J'ai un don, une espèce de vision maniaque, monomaniaque. And am able to sustain concentration very well. Ce qui me permet de rester hyper concentré de façon très efficace. The fact that I am only interested in a very few things and limit myself to these things enhances my power of concentration. Et le fait qu'il n'y ait pas grand chose qui m'intéresse me permet justement d'accroître ma capacité de concentration. It allows me to write these magnificent and very challenging books. Et c'est ce qui me permet d'écrire ces romans magnifiques et extrêmement exigeants. Voilà, merci Stéphanie. It's entirely entertaining to assume the perspective of famous dead men and women. The voices of these people come to me over time, and I have refined them over the course of three books. Moi, je trouve tout à fait intéressant, tout à fait amusant même de laisser les voix de ces personnages historiques me parler à travers moi. Et c'est ce qui m'a intéressé de faire dans ces trois derniers livres. I enjoy this shit. It's fun writing about right-wing assassins. C'est un truc qui me fait bander, écrire sur des histoires comme ça de meurtres commandités par des personnages d'extrême droite. Falling in love with strong left-wing women. Et également des histoires d'amour avec des femmes de gauche. Armored car heists. Les attaques aux fourgons blindés. Fucked up black militants. Des militants noirs complètement... Qu'est-ce que tu vas dire? Cinglé, ouais. Voodoo in the Dominican Republic and Haiti. Bah, le vaudou en République dominicaine et à Haïti. Intrigue up the yin-yang. What was that, Stephanie? Des intrigues dans le yin-yang. Lots of intrigue. Lots of drugs. Bah, le plus possible d'intrigues, de drogues, c'est mon truc. One of the reasons that people love my books is that they are not in the least depressive. It's all cool shit. Et voilà pourquoi beaucoup de gens lisent mes livres, c'est que mes livres ne sont absolument pas déprimants. Le truc est vraiment hyper cool. The primary female character in Underworld USA is a leftist revolutionary
named Joan Rosen Klein. Le premier personnage le plus important de cette trilogie est une révolutionnaire d'extrême gauche dont le nom est Joan Rosen Klein. She was based on a woman that I had what I will generously describe as a spiritually misaligned relationship with between the years 04 and 06. Ce personnage a été construit en m'inspirant d'une femme avec qui j'ai eu une relation spirituellement décalée, disons, de 2004 à 2006. Nevertheless, mais quand même, she gave me the idea to write the book. C'est elle qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. This is my woman's novel. Ah, c'est mon roman destiné des femmes, destiné aux femmes, mon roman sur les femmes. It's the story of a lost boy with a murdered mother. L'histoire d'un petit garçon perdu dont la mère a été assassinée. Crazed, drug addicted, looking for love and adventure. Complètement fou, toxicomane et cherchant l'amour et l'aventure. A housebreaker, a voyeur. Un petit garçon qui fracture, qui entre dans les maisons par effraction, qui mate les gens à leur insu. Lonely, haunted, superhumanly persistent. Solitaire, hanté et avec une capacité d'obstination surhumaine. Who ends up being adopted by a society of strong women at a time of great social change in the United States. Et qui finit par être adopté par une communauté de femmes fortes à une période de grand changement dans l'histoire américaine. Grand changement social. I am nothing but tender, I am nothing but romantic. I come out of the strain of romanticism. And this is my most romantic novel that began with the artist who I think was the greatest genius ever created by God and civilization. He is my greatest teacher and master, and that is Beethoven. Je suis un homme tendre. Je suis un homme romantique et exclusivement tendre et romantique. Et ce roman, ce dernier roman, est mon roman le plus romantique. En effet, celui qui l'a inspiré est le plus grand génie, celui que je considère comme le plus grand génie et mon maître le plus respecté, Beethoven. I'm like a dog chained to a desk. Je suis comme un chien attaché à un bureau. Someone comes in, gives me some toilet water to drink, throws some meat at me, I eat it, and then every once in a while, when I finish a book, I get to chew through my restraints, go out, meet people, sell the book, and I'm happy to be free. Donc je passe l'essentiel de mon temps attaché à mon bureau. De temps en temps, quelqu'un vient me donner un peu d'eau, de l'eau de toilette d'ailleurs en général, enfin non, de l'eau de chiottes à boire, deux, trois bricoles à manger. Et parfois, il m'arrive de finir, de terminer un livre et de pouvoir sortir et rencontrer des gens. I love racial invective, Yiddish, Ku Klux Klan talk, general profanity, all the wild, hip, crazy shit inherent in the American idiom. Ouais, mais j'aime bien les insultes raciales, le yiddish, la prose du Ku Klux Klan, voilà, et tout le vocabulaire, toutes les langues complètement démentes qui font la langue parlée américaine. That's when Gay Edgar Hoover died.
C'est la mort de J. Edgar Hoover. Gay Edgar Hoover. Gay Edgar Hoover. History holds no allure for me after that. Tapette Edgar Hoover. I want to go back in time. I want to live in the past, as I enjoy living in the present, and will enjoy living in the future. Je veux remonter le temps, c'est autant que j'apprécie de vivre dans le présent et que j'apprécierai de vivre dans l'avenir. The French love the Roman noir. The French have an ambivalent relationship with America. Pourquoi les Français aiment les romans? Les Français aiment le roman noir et les Français ont une relation ambivalente, des sentiments mitigés vis-à-vis de l'Amérique. Albert Camus, who wrote one of the most boring books of all time, L'étranger. Albert Camus, qui a écrit won the Nobel Prize. Un des livres les plus ennuyeux de l'histoire de la littérature, L'étranger, mais qui a reçu le prix Nobel. Said that he was inspired by James M. Cain's novella The Postman Always Rings Twice, one of the most entertaining works of art of all time. A dit qu'il avait été inspiré par le roman de James McCain, le postier sonne toujours deux fois. Elroy and Cain should win the Nobel le facteur, Prize. Le facteur. Right. Elroy and Cain should win the Nobel Prize, not Camus. C'est nous, Elroy et Cain, qui devrions recevoir le prix Nobel de littérature. Pas Camus. No, maybe you will. I will never win the Nobel Prize. It's not going to happen. There is no Puritanism in America. Don't give me that bullshit. America fucks and sucks and uses more drugs and booze than the rest of the world combined. No American Puritanism, I'm not buying that bullshit. Arrêtez de me dire qu'il y a du puritanisme en Amérique, c'est n'importe quoi. Tous les Américains boivent, baisent, c'est les recordmen. Donc arrêtez de me dire qu'il y a du puritanisme en Amérique. Oui, c'est les rois de la drogue aussi, consommation de drogue. I am the happiest motherfucker on earth. Il n'y a pas plus heureux que moi. I write books for love. Alors que les livres, c'est une histoire d'amour.